Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à Lille. Ensuite, on ira à Bruxelles. Puis, on reviendra par Nivelles pour accompagner donc le cortège de la COP23. Donc, 17 Tesla qui vont faire un périple jusqu'à Beaune et qui sont partis de Marrakech. Et là, on va les rejoindre sur Lille et les suivre jusqu'à Bruxelles. Nous sommes sur l'autoroute A104 qui roule bien là cette fois-ci à cette heure-ci, un dimanche matin. Donc eux sont partis à 8h30 de Paris, mais ils s'arrêtent au superchargeur 210. Quant à moi, je ne vais pas m'y arrêter, c'est pour ça que je suis parti un petit peu plus tard qu'eux. Et on devrait normalement se rejoindre sur l'autoroute A1. À quelle hauteur, je ne sais pas, on verra. Et on s'est tous donné rendez-vous au superchargeur de Lille. Nous sommes sur l'autoroute de Lille. Passer l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Le temps est assez mitigé, on va dire. Il pleut de temps en temps, des fois il y a des rayons de soleil. Sur l'autoroute de Lille, il nous reste 80 km à faire à peu près. Voilà, on pourrait arriver avec 16%. Le temps se maintient à peu près. En tout cas, ça roule très bien puisqu'on a mis 1h16 pour faire 137 km. Nous arrivons bientôt à Lille, 46 km, il nous reste 30% d'énergie. Veuillez suivre les voies de gauche. On va arriver avec 15 à 16%. Et il fait beau à Lille. On n'y est pas encore, mais ça s'est levé, c'est bien. Approche de Lille. Il reste 18 km. Il reste 22% d'énergie. Et puis, veuillez serrer à droite sur la départementale 655. Eh bien, nous voici arrivés à Lille. On sort de l'autoroute. À 200 mètres, veuillez serrer à droite sur la départementale 655 en direction de Fâche-Thumesnil. Et il est 10h44. Maintenant, en avance. Serrez à droite. Ben, on va fermer sa gueule, cette vieille peau. Nous sommes en avance, donc on devait arriver vers 11h. À 300 mètres, veuillez tourner à gauche sur la départementale 650 en direction de Fâche-Thumesnil. Énorme. Oh putain. Elle s'est vexée, la vieille peau. Ça, c'est énorme. C'est énorme! À force de lui dire de la fermer, elle a pété un câble!
Ah putain, l'angoisse. J'ai donc procédé à un reboot total de l'écran central hein, qui utilise le GPS. Donc là, c'est en train de rebooter parce que l'autre, elle voulait pas la fermer. Oh le délire. Ah, c'est la première fois qu'elle me le fait, celle-là. Elle doit en avoir marre que je l'insulte. Et donc, c'est bien ce que je pensais. Il n'y en a que 8 d'ouverts parce qu'il était persuadé, Richard, qu'il y en avait 16. Mais non. Il n'y en a que 8. Donc, ils vont être déçus. Moi, comme je suis le premier, c'est parfait. Je vais pouvoir me charger tranquillos. Parce que quand ils vont tous arriver, il va y avoir la queue au suc. Voilà, me voilà arrivé donc au superchargeur de Lille. Il n'a que 8 stèles disponibles pour le moment. Et donc ça charge. Pour l'instant, tranquillement, voilà. Ça monte, ça monte. Donc on a fait 217 km en moins de 2 heures. C'est parfait. Et bien ça y est, ils arrivent. Nous sommes envahis. Salut. Tu as déjà chargé toi? 50% à peu près, 55. Ah mais ouais, ils se mettent l'un à côté de l'autre. Donc, ouais. Okay. On va faire ça. Ouais. Donc j'avais raison, il va y avoir la queue et j'ai drôlement bien fait d'arriver en avance. Tu débranches quand ? Hein ? Tu débranches quand ? Oh, demain dans la matinée ? Ok. Ah, pour savoir. Ça va ? Bien. Ouais. Merci. Oh, je suis à 60% à peu près là. Ok. Je suis arrivé assez tôt donc. Profites-en et dors pas, Nathalie. Souriez, vous êtes filmé. Oui, bonjour. Ah bon dans le nord. Mais c'est parce que il fait toujours bon chaleur. Bon, et bien là, on peut vraiment dire que ça bouchonne au superchargeur. Parce que là, il y en a partout. Moi, fort heureusement, je suis chargé à fond. Y'a comme qui dirait full. Heureusement que je suis arrivé tôt moi. Ouais. Il a fait
Oh, t'as freiné. De toute façon, on va attendre, il n'y a pas de chance. J'ai bien fait d'arriver tôt, moi. Ouais. T'as pu charger ? Ouais, je suis à 96%. Bon, eh bien, nous allons partir, n'est-ce pas, Christophe ? Hein ? On va se suivre et en route pour Bruxelles. En route pour le cinquantenaire. Allez, c'est parti. Donc, la place du cinquantenaire, c'est ça ? Place du cinquantenaire à Bruxelles. À Bruxelles. Bon, bah, on va se suivre. Hein. Alors, tout le monde ne part pas parce que tout le monde n'est pas chargé. Donc, on va faire deux groupes. C'est dommage que les sestels ne sont pas. Ouais, il y aurait eu les sestels, ça aurait été impeccable. C'est dommage. Je suis sûr, en plus, c'est à quelques jours près. Hein. Ouais, c'est vrai. Elles vont ouvrir vraiment dans peu de temps. Mais je me demande si on avait enlevé le. Les bâches, non, je crois qu'elles sont pas. Elles sont pas activées. Il y a un disjoncteur, tu sais, ça va être coupé. Bon, bah, allez, on est parti. On va préparer tout ça. Hop. Donc, nous allons décoller du superchargeur et nous mettre en convoi. Pour atteindre la place du centenaire à Bruxelles. Donc, on va faire deux convois puisque tout le monde n'a pas pu se recharger. Allez, c'est parti pour le convoi. On va laisser passer Christophe. Comme ça, on va pouvoir filmer tout le monde. Ah, oh, ça bouchonne. Ouais. Je vais lui faire mes sachets, par contre, au GPS, là. Ça y est. Sinon, on va encore faire bugger. Les gars, ils ont pas compris, ils ont pas suivi les flèches. Hein. Ils roulent du mauvais côté. Hein. We'll be right back.
constaté un truc quand même, c'est qu'en autopilote, en convoi comme ça, c'est rare que la voiture me demande de tenir le volant. Ça fait un petit moment qu'elle me l'a pas demandé, d'habitude c'est toutes les 2-3 minutes maxi. Et là, ça fait un moment qu'elle me l'a pas demandé. Expérience, on va voir dans combien de temps elle me le demande. J'ai commencé à filmer, il était 14h01. Mais ça faisait déjà un moment qu'elle me l'avait pas demandé. Et pourtant ça tourne. En général, quand ça tourne, elle me le demande rapidement. Apparemment, quand plusieurs Tesla se suivent, l'autopilote considère que on communique tous entre nous et dit que j'ai pas besoin de conduire. Voilà. 14h03, c'est déjà 2 minutes sans me demander le volant. Ah, ça y est, la demande. Hop. Peut-être aussi à cause de la flotte. Il y a bien plu ici, hein. Vache. On n'y voit pas grand chose. Puis l'autopilote, il a l'air de voir quand même. L'autopilote continue de conduire sans me demander la main, tranquille. Formidable ça. Spéciale dédicace Christophe, tu as raison, quand on roule en convoi, l'autopilote nous demande rarement de tenir le volant, effectivement, je le constate également. En général, de ce temps-là et dans des courbes comme celle-ci, il nous demande de tenir le volant toutes les 30 secondes, 2 minutes maxi. Là, ça reste systématiquement 3-4 minutes sans qu'il nous le demande. Tout à l'heure, ils vont à l'envers de ce que dit GPS. Non, on redescend encore, regarde. Je sais pas ce qu'ils font, parce que c'est là-bas qu'il faut aller. J'ai pas compris. Là. C'est encore couru, c'est pas possible. Là, on va à l'envers. Bon, alors tout s'explique. J'avais tapé esplanade du centenaire et en fait, on va à l'esplanade du cinquantenaire. Bah oui, forcément. Je vous explique le pourquoi je comprenais pas pourquoi ils allaient par là. Et bah heureusement que je les ai suivis. Hein. T'imagines, j'aurais dit ouais, bah moi je suis mon GPS. Oui. Là, je me suis retrouvé à l'opposé. Donc voilà. Toi le bus t'attendra, merci. Hop, la priorité à électron libre. Non. Il devrait le savoir quand même le mec. Quoi, je suis un gros peur. C'est parce que t'as enlevé tes autocollants. Ah, c'est ça. C'est quand même priorité au Tesla, il devrait le savoir. Bah oui, au moins. Évidemment. Bête ou quoi? Bah ça, oui. Franchement. Bête comme un manche. Oh là là.
crois qu'on est arrivé. Paparazzi. Je dis ça, c'est du matos professionnel, à mon avis c'est la télé locale. Les bruits des moteurs. Oh, il y a une Bramo. Oh putain, moto électrique Bramo, c'est beau ça. Et Leaf, qu'est-ce qu'elle fait la Leaf au milieu de Tesla? Eh ben, elle est venue nous rejoindre. Bah oui, mais... et tout à son honneur. Au milieu de Tesla. C'est beau ça. Et voilà. Et la pluie est au rendez-vous. Pourquoi tu me regardes? T'as vu, la pluie, elle a attendu qu'on arrive. Elle est comme une Belgium. Là, j'avais mis la mauvaise adresse dans le GPS. Ah bon? Oui, j'avais mis place du centenaire. Et c'est place du cinquantenaire. Ah bah oui, du alors centenaire. Sur le coup, mon GPS, ça existe? Bah apparemment oui. Ah merde. Mon GPS, il arrêtait pas de me dire faites demi-tour, faites demi-tour. J'ai dit mais il m'emmène où comme ça? Bon bah... belle brochette hein. Bienvenue dans le Nord. Oui, c'est ça, c'est... Cherchez un truc. J'ai bien fait de prendre ma casquette, ça me protège les cheveux. Oui, ça c'est une Bramo ça. Mais c'est ça, j'avais reconnu. Une Bramo. Ça, c'est la première fois que j'en vois une en vrai. Ça a un look. Oh le truc. Impressionnant. On dirait un VMAX électrique, le truc bien musclé, tu sais. Voilà, c'est reparti, voyons. Elle est bien buggée. On va pas trop s'approcher de la pluie parce qu'il aime pas, visiblement. Calmer ce temps-là. Ah,
pratique ça. Merci. Attends, je vais prendre une photo qui enregistre. Je vais juste attendre de voir le logo de la TV. Absolument pas. C'est ça, c'est l'avantage. C'est silence. Ah, parce que vous voyez que j'ai pas vu 10 km. Je vais juste te dire que c'est un organisateur, un rallye, un rallye. We'll be right back.
nous sommes partis pour le superchargeur de Nivelles qui se trouve à 37 km. On va arriver avec 35% d'énergie, donc on devrait rester à peu près une quarantaine de minutes. Alors la sortie c'est par là je suppose, ouais, voilà. Hop. Eh bien ça y est, nous sommes sortis de Bruxelles, quand même. Il reste 26 km à faire pour arriver au superchargeur de Nivelles. À 3 km, veuillez suivre une voie de droite. Ah oh. Oui, salut. Alors, direction Charleroi, Nivelles Sud, ça doit être ça. Et donc, on est presque arrivé au chargeur puisqu'on est à 5 minutes. À 600 mètres, veuillez prendre la sortie à droite, à la sortie numéro 19 bis, direction Nivelles Sud. À 160 mètres, veuillez tourner à droite. Tout de suite après, veuillez tourner à gauche, c'est dans ici. La chaussée de Mons. C'est ici qu'il faudra en mettre 16. Maintenant, tournez à droite. Maintenant, tournez à gauche. Maintenant, ferme ta gueule. On va encore faire... La politesse, voyons. Il y a une stèle pour moi déjà, c'est déjà pas mal. Il faudrait qu'elle charge. J'espère. Il y a des butoirs ici. Bizarre. Dis-moi que tu fonctionnes. Supercharge. Il démarre, oui, il démarre. Par contre, ça va être de la charge lente. Enfin bon, j'ai pas besoin de 100%. Oui, donc là on peut voir qu'ils font la queue au chargeur de Nivelles. Donc effectivement on a eu de la chance d'arriver au bon moment. Et j'ai bien fait de me manier. Nous sommes sur le départ, il est 18h, on va dire 17h58. Nous sommes chargés à 90%, ça a mis du temps à charger. Puisque tout était pris ici, donc ça charge moins vite. Mais bon. Ça va. Et nous sommes partis pour, alors peut-être 110, et si je vois que j'ai pas besoin de m'arrêter à 110, j'irai jusqu'à la maison. Mais dans un premier temps, on va aller direction 110. C'est parti. Il devrait nous rester 16% à 110. Donc 16% à 110, en général, il me faut 15% pour rentrer de 110 à la maison. Donc ça ferait très juste. Donc je pense qu'on fera un petit arrêt minute à 110. Surtout que là on a mis le chauffage, donc ça va consommer plus. Là, nous sommes partis du chargeur de Nivelles et on est parti pour 225 km jusqu'au superchargeur de 110. On verra si on a besoin de s'y arrêter ou pas. Puisque là j'utilise le chauffage et je vais prendre l'autoroute, donc ça va surconsommer à mort. Je sais que j'ai assez pour aller à 110, mais c'est pas sûr que j'ai assez pour aller à la maison. Toujours sur l'autoroute en direction de Paris, on est toujours en Belgique pour l'instant. Donc j'ai calé ma vitesse à 110 pour 120. Voilà, et on fait du un peu moins de 21 kWh au 100 avec le chauffage réglé sur 20 degrés, les sièges chauffants. Et ça devrait nous faire une autonomie suffisante pour arriver à 110 avec même de la marge.
sachant que je ne suis pas parti à 100% de Nivelles, je suis parti à 90%. Nous arrivons bientôt à la frontière belge. Nous allons rentrer en France en très peu de temps. Dans l'autre sens, il n'y a pas tout ce cirque quand on passe de France en Belgique. C'est complètement transparent, alors qu'ici, c'est le vrai bordel. Pas loin de Senlis, puisqu'il nous reste 38 km à faire. On arrivera avec 15% à l'arrivée, donc on a une marge. Je me suis calé à 110 tout le long en fait, et en calculant la vitesse à 130, il me disait que j'arriverais à 20h04. Or, en roulant à 110, il me dit que j'avais arrivé à 20h11. En réalité de l'histoire, en roulant à 110 au lieu de 130, on perd que 6 à 7 minutes. Mais on gagne en autonomie, du coup on gagne quand même du temps. Parce que là, à la limite, je suis même pas obligé de m'arrêter à Senlis. Je vais m'y arrêter parce qu'on n'a pas mangé et du coup on va manger là-bas, mais sinon je ne me serais même pas arrêté. Nous arrivons au superchargeur de Senlis. Et c'est d'une précision démoniaque quand même, parce qu'il nous reste pile poil 15% comme prévu. Et on arrive à 20h09, comme prévu. C'est quand même incroyable, cette précision du système Tesla, qui avait exactement prévu notre arrivée à 20h11, 20h10, 20h11, et avec 15% à l'arrivée, c'est exactement ça, à la minute près. Se charger tranquillou. C'est là, au moins il n'y a pas fou ici. Donc je vous montre, il reste 15% et il est 20h10. Bon, et bien après 25 minutes de charge, il est 20h35. Nous sommes à 60% d'énergie. Bravo Alison. Et on va pouvoir rentrer à la maison. T'es fière de toi, tu vois. Non. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, et bien après cette formidable journée COP23 Lightos, nous sommes arrivés quasiment à la maison avec 45% d'énergie. Donc on a bouffé entre 15 et 16% pour revenir de Senlis. Ce qui veut dire que j'aurais pu sauter le superchargeur de Senlis et rentrer directement, je serais arrivé avec 0%. Voilà. Donc c'était faisable. Eh bien, sur ce, on va se laisser sur ces dernières images. Voilà. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!